Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bonjour chers amis, chers œuvres, bon sabbat dans le Seigneur. Alors j'ai le plaisir de voir des visages qui me sont très très familiers, des gens que j'ai pas vus ça fait quelques mois, voire même quelques années. Samuel, on était à Québec ensemble lorsque Samuel est arrivé avec sa famille, nous sommes partis pour l'Alberta. Il y a d'autres aussi, comme Frédéric et bien d'autres, on a eu des bons moments dans le Seigneur ensemble, donc je suis content de vous revoir. Je souhaiterais vous envoyer les salutations de la part du président de la Fédération, Pasteur Émile Maxi, ainsi que les autres administrateurs de la Fédération de l'Église Adventiste du Québec. Je remercie le département de la jeunesse, ainsi que votre pasteur, pasteur Brice Vicognat et sa famille, pour leur amitié et pour leur chaleureux accueil dans leur demeure. Je suis très honoré de pouvoir débuter en avance. le mandat que Dieu m'a délégué en tant que votre nouveau directeur de jeunesse. Je vous invite à prier le Seigneur afin que nous puissions avoir et aider notre jeunesse à aimer le Seigneur, à s'attacher à lui et à vouloir, à désirer le servir passionnément. C'est mon désir le plus profond et si c'est le vôtre, je vous inviterai à prier parce que cette bataille-là se déroule et va se gagner sur nos genoux. Alors maintenant que nous sommes introduits et que nous nous connaissons et nous allons apprendre à nous connaître, je vous invite à vous tourner vers votre frère ou votre sœur qui est assis à côté de vous. Tournez-vous vers votre frère ou vers votre sœur qui est assis à côté de vous. Et puis, dites-lui, mon frère, ma sœur, vas-tu poser faire confiance? Mon frère, ma sœur, vas-tu poser faire confiance? Vas-tu poser? Ma soeur, ma soeur. Bon, si c'est ma frère, dis mon frère, mais si c'est ma soeur, dis ma soeur. Vas-tu poser? Le thème de notre méditation ce matin, c'est oser faire confiance. Et bien souvent, nous sommes méfiants. Et à vrai dire, nous avons toutes les raisons du monde d'être méfiants. Le 20 septembre dernier, l'un des constructeurs automobiles, le constructeur automobile numéro 1, Volkswagen, a reconnu avoir volontairement trompé les contrôleurs américains concernant les émissions polluantes de ces véhicules diesel. Alors, si vous ne comprenez pas bien ce qui s'est passé, c'est que Volkswagen, le fabricant allemand, a admis avoir implanté à l'intérieur des voitures un logiciel qui permettait de contourner la législation et de faire baisser les niveaux de gaz polluants de ces véhicules lors de tests anti-pollution. La direction de Volkswagen a ensuite révélé que 11 millions de véhicules, 11 millions, ont été truqués. Juste pour vous donner un exemple de ce que ça représente, 1 million, 11 millions, ce chiffre est astronomique. 11 millions, ça représente tout le parc automobile, les véhicules du Québec et les véhicules de l'Ontario. Alors c'est comme si chaque véhicule que vous croisez au Québec et chaque véhicule que vous croisez dans la province d'Ontario sont truqués. Oui, des véhicules diesel. Donc 11 millions de véhicules, ça représente tout ce parc automobile.
C'est ça le scandale de Volkswagen. Et ils l'ont fait délibérément. Cette multinationale a volontairement menti à des millions de personnes, relâchant des millions de gaz nocifs dans l'environnement, au détriment de votre santé, de notre santé, de la santé de nos enfants, juste pour augmenter leurs profits. Peut-on réellement faire confiance à qui que ce soit? Le problème que je viens d'énoncer, le problème de Volkswagen, illustre simplement un problème qui est un peu plus chronique et qui n'est pas limité au milieu des affaires. Jeudi soir, j'ai eu une longue conversation. Une conversation avec une femme blessée qui passe par un divorce amer. Son mari, l'homme qui l'a accompagnée devant l'hôtel et qui a fait vœu devant tout le monde, de l'aimer, de la chérir jusqu'à la fin de ses jours, a bafoué ses confiances en menant une double vie. Elle m'avouait au téléphone qu'elle lui avait naïvement pardonné et souhaitait qu'ils guérissent la blessure ensemble. Mais lui, il n'avait pas tourné la page. Alors elle était au téléphone, je pouvais entendre dans le son de sa voix la tristesse, et l'entretien téléphonique s'est terminé par une prière adressée au Seigneur afin que Dieu puisse lui donner la force et le courage d'affronter cette situation et l'accompagner, parce que c'est une femme meurtrie, déchirée, anéantie, blessée. Peut-on réellement faire confiance à qui que ce soit? Si on ne peut pas faire confiance aux multinationales qui n'ont certainement pas notre intérêt, si on ne peut pas faire confiance à nos amis, à nos proches, peut-on réellement faire confiance à qui que ce soit? Il semble que nos vies sont parsemées de déceptions. Et la méfiance est de bon augure au XXIe siècle. Juste à écouter une annonce qui a été faite cette semaine sur la viande rouge. Peut-on réellement faire confiance? Les industries, le guide alimentaire nous dit qu'ils ont notre santé et qu'ils pensent à nous. Mais peut-on réellement leur faire confiance? À cause de toute cette méfiance, qui est un réflexe naturel d'autodéfense, nous entrons assez souvent dans des relations avec les gens qui nous entourent et nous prenons nos réserves, nous sommes hésitants. Il y a de cela très très longtemps, un homme était assis dans une barque en Galilée. Et cet homme s'appelait Simon Pierre. Il était marin et il gagnait sa vie en pêchant du poisson. Malheureusement, Simon n'avait rien pêché cette nuit-là. Il avait désespérément parcouru le lac de la Galilée sur sa barque. Il avait fait des efforts, mais ses efforts n'avaient pas payé. Le poisson n'avait pas mordu. Alors, avec ses compagnons, en fin de journée de travail, c'était la nuit, donc en début de matinée, à l'aube, à l'aurore, ils se sont approchés du rivage et ils ont commencé à nettoyer leurs filets. Simon était pensif. Cette situation infructueuse ne pouvait plus continuer bien longtemps. S'il ne pêchait pas de poisson, comment allait-il pouvoir aux besoins de sa famille? Il fallait qu'il pêche du poisson. Alors il pensait, peut-être pensait-il, demain, je lancerai mes filets dans d'autres régions du lac. Et peut-être, si Dieu m'est favorable, je pêcherai davantage de poissons. Soudainement, Jésus s'est approché de l'embarcation de Pierre. Ce n'était pas la première fois que Pierre l'apercevait, que Pierre le rencontrait. Il l'avait vu, Jésus, auparavant.
Alors, lorsque Rabbi, ça veut dire enseignant, Pierre le connaissait comme étant un enseignant, il enseignait partout. Lorsqu'il monta dans la barque de Simon Pierre et insista que Simon s'éloigne d'une barge, Simon accepta. Et Jésus s'assit, se mit à enseigner à la foule. Il enseignait avec autorité. Il connaissait bien les Écritures. Mais ses enseignements étaient révolutionnaires. Rempli de sagesse. Tout à coup, Rabbi se tourna vers Simon et lui dit, « Avance en pleine eau et jette ton filet pour pêcher. » Alors Pierre le fixa dans les yeux, droit dans les yeux, et sa demande explicite révélait la méconnaissance de Jésus du métier de pêcheur. Les proverbes, les pêcheurs professionnels ne pêchent pas en pleine journée. Ils pêchent en pleine nuit lorsqu'il fait sombre. S'ils pêchent en pleine journée, les poissons vont pouvoir voir les mailles du filet. Et bien sûr, ils vont les éviter. Alors Simon répondit à Jésus gentiment, « Maître, Rabbi, toute la nuit, nous avons travaillé. Ce qui est sous-entendu, c'est qu'ils ont labouré, ils ont travaillé, ils ont arpenté le lac, ils ont été sur le lac en cherchant du poisson. Ils ont jeté leur filet à multiples reprises pendant toute la nuit jusqu'aux petites heures du matin, sans rien prendre. Et maintenant, en plein jour, non. Certainement, tu ne sais pas de quoi tu parles. Toi, l'enseignant, m'apprendre à pêcher, le professionnel, c'est ridicule. Puis, intérieurement, il se dit, bon, cela me coûtera certainement quelques heures de sommeil parce que je dois rentrer à la maison. Me reposer, dormir afin d'aller travailler le lendemain. Si je pars avec toi, il va falloir que je revienne et relave le filet encore, et ça va me prendre quelques heures. Mais pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas essayer? Dès lors, Jésus et Pierre avançaient en pleine mer. Puis le bateau s'arrêta en eau profonde. Il se faisait balancer par les vagues. Pierre regarda peut-être le fond de la mer et il jeta dubitativement son filet par-dessus bord. Chers jeunes, je dois vous dire que la Bible n'explique pas pourquoi Pierre s'est décidé à suivre la parole que Jésus avait annoncée. Nous ne savons pas. Nous ne pouvons que présumer les motivations de Pierre. Mais ce qu'on peut constater, c'est que ce n'est qu'après avoir passé un moment dans la barque avec Jésus que Pierre s'est décidé à lui faire confiance. C'est simplement lorsque Jésus est venu, s'est assis dans la barque, a commencé à enseigner, qu'il a passé un moment avec Pierre, que Pierre s'est mis à lui faire confiance. La première des choses que j'aimerais vous dire ce matin, c'est celle-ci. Il est très difficile de faire confiance à un inconnu. Ma mère m'a toujours défendu de faire confiance aux inconnus.
Je ne sais pas si pour vous, dans votre famille, c'est la même chose. Mais on respecte les inconnus, mais on ne s'approche pas trop d'eux, on ne leur parle pas. On se méfie des inconnus. Alors il est très difficile pour l'être humain de faire confiance aux inconnus, car beaucoup de gens abusent de la confiance des autres. Si je vous posais la question ce matin et je me demandais combien d'entre vous, combien de personnes ont déjà été trompées par quelqu'un, un vendeur, un proche, un membre de la famille, par son employeur, j'ai la certitude que beaucoup de mains ici se lèveraient. Vous êtes tous déjà éberlés au moins une fois. Vous, on a déjà abusé de votre confiance. Je me souviens que lorsque nous sommes arrivés au Canada, nous avons été acheter un véhicule, une Dodge Caravan. Et puis, je me suis rendu compte au bout de certains temps que, comme ils disent, je m'étais fait crosser. Donc, j'avais acheté un citron. L'homme se méfie de l'inconnu et des inconnus, car sa confiance est souvent mise rude, à rude épreuve. Et c'est la raison pour laquelle Jésus s'est assis dans la barque avec Pierre. Pourquoi ? Parce qu'il voulait passer du temps avec lui afin de lui inspirer confiance. Il est important que nous prenions le temps de nous asseoir avec Jésus, de l'écouter, afin qu'il nous parle, pour qu'on puisse lui faire confiance. Ce qui se passe au niveau humain, et c'est la même chose qui se passe au niveau spirituel, si nous voulons apprendre à faire confiance à Dieu, et si nous voulons développer cette intimité, afin de pouvoir lui faire confiance, il va falloir passer du temps avec lui. C'est indéniable. L'apôtre Paul nous dit « La foi vient de ce que l'on entend. » Ce que l'on entend de la parole de Dieu. Donc, ce sentiment de confiance se développe lorsque je passe du temps avec mon Seigneur et lorsque j'entends la parole de Dieu. La deuxième chose que j'aimerais vous signifier, c'est que Jésus s'assoit avec Pierre. Et lorsque Jésus s'assoit dans la barque avec Pierre, il entend les paroles du Seigneur. Ensuite, lorsque les paroles sont prononcées par Jésus, Jésus énonce sa requête. Éloignons-nous en haute mer pour pêcher du poisson. De même qu'avec Pierre, Jésus souhaite avoir des moments intimes, des moments personnels, afin d'alimenter notre besoin de confiance. C'est un besoin naturel. Mon épouse me rappelle souvent que je parle, mais il faut illustrer les choses. Les femmes de pasteur, elles écoutent souvent leur mari, et quand elles écoutent leur mari, elles développent ce sixième sens, et quand on arrive à la maison, elle critique notre sermon, elle nous dit « voici ce que tu aurais dû faire afin de pouvoir t'améliorer ». Et elle me dit « tu es toujours très très théorique, mais très peu pratico-pratique ». Cet après-midi, il va y avoir un atelier. Et cet atelier-là va parler de l'intimité spirituelle, comment développer cette intimité avec le Seigneur et de pouvoir nourrir ce temps avec Dieu afin que nous puissions lui faire confiance. Des questions que j'ai le plus souvent, c'est « Pasteur, comment nourrir ma vie spirituelle ? » Je ne ressens pas le Seigneur dans ma vie. Est-ce que tu peux nous aider ? Est-ce que tu peux m'aider à développer cette relation intime ? Donc nous allons avoir un atelier là-dessus dans l'après-midi. Mais c'est important de passer du temps avec le Seigneur. Parce que c'est lorsqu'on passe du temps avec lui qu'on apprend à lui faire confiance. Donc,
En dépit du fait que Pierre trouve la requête de Jésus farfelue, il s'éloigne tout de même en haute mer et il jette son filet. Pierre ose faire confiance. Il prend le risque de faire confiance à Jésus. Et à son grand étonnement, qu'est-ce qui se passe? La pêche devient quoi? Très prospère. On a eu la lecture biblique, je ne relis pas le texte parce que nous l'avons déjà lu, mais les barques commençaient à s'enfoncer dans la mer tellement la pêche était fructueuse. Lorsqu'on ose faire confiance à Jésus, lorsqu'on le prend au mot, on n'est jamais déçu. Si vous apprenez à faire confiance à Dieu et si vous le prenez au mot, vous n'allez pas être déçu. Même si la requête de Jésus, la requête de Dieu semble parfois être farfelue, incongrue, on n'est jamais perdant lorsqu'on lui fait confiance. En 2003, j'ai reçu l'appel du Seigneur pour aller étudier la théologie. À cette époque-là, j'habitais en France. Donc, je vais aller à Collonges-sous-Salève. Je venais de recevoir le baptême évangélique en 2002. Et le feu dévorant dont nous avons parlé ce matin me consumait à l'intérieur. J'avais envie de parler du Seigneur, de partager avec les autres cet amour que j'avais pour lui. Et ce désir. Donc j'ai rencontré mon pasteur et je lui ai demandé de me diriger, de me canaliser afin que je puisse aller étudier la théologie. Bien sûr, lorsque les gens viennent de se faire baptiser, ils sont toujours tout feu, tout flamme. Alors il m'a écouté patiemment, mais il s'est dit que ça va lui passer. Et ça m'est passé. Et ça m'est passé. Ce désir ardent que j'avais de parler de Dieu et de partager sa parole, lorsque j'ai contacté Collonges et que je me suis renseigné davantage, j'ai réalisé que je n'étais pas prêt à faire le pas. J'avais un travail de rêve en France. J'étais technicien dans le traitement des eaux, EAX, par rapport au S, traitement de l'eau. Et ma profession, je l'aimais énormément, elle me procurait beaucoup de flexibilité. Je n'avais pas de boss, de patron, de supérieur hiérarchique qui était toujours après moi. On se voyait une fois dans l'année. Je faisais mes plannings, j'avais mon portefeuille de clients. Et j'allais les voir. Donc j'avais des avantages exceptionnels, 13 mois de salaire, des primes presque tous les mois. Un cellulaire de fonction, une voiture de fonction que je pouvais choisir et que j'allais chercher chez le concessionnaire, pas de Volkswagen. Donc, la belle vie. Mais quand j'ai réalisé tout ce que je devais abandonner pour suivre le Seigneur, et puis partir à Collonges, étudier, sans savoir comment je pouvais subvenir aux besoins de ma famille et Anaïs qui était un bébé à cette époque-là, j'ai décidé de ne pas y aller. L'année d'après, nous avons immigré au Canada et nous sommes arrivés à Québec. Bien sûr, je n'avais plus le travail lucratif que j'avais auparavant. Avant, c'était le traitement des eaux propres dans les hôpitaux et dans les piscines municipal. Maintenant, c'était le traitement des eaux usées dans les fosses septiques. Un jour, mon employeur est venu me voir et m'a dit qu'il devait me licencier. Il n'avait pas assez de travail pour moi, donc j'ai dû apprendre à conduire des camions et j'étais devenu trucker pour subvenir aux besoins de la famille. Pour certaines personnes, c'est un rêve de sillonner les routes aux États-Unis et au Canada. Mais pour moi, être loin de ma famille, c'était très, très difficile. Je pense que le clou s'est enfoncé lorsque mon épouse a été enceinte de notre deuxième enfant, Anaïs, Séphora.
et qu'elle a dû se conduire elle-même à l'hôpital parce que j'étais sur la route et que j'étais parti. J'ai remis tout ce que je pensais en question, mon métier en question, et j'ai vraiment prié le Seigneur afin qu'il puisse donner une direction à ma vie. Finalement, j'ai réalisé que c'était le confort que j'avais en France qui m'avait aveuglé. La prospérité peut être un problème. Et bien souvent, je pense qu'ici, au Canada, des fois, la prospérité est un problème pour nous. Nous avons ce dont nous avons besoin, des fois plus que ce dont nous avons besoin. Et cette prospérité-là nous aveugle spirituellement. En tout cas, c'était le cas pour moi. Donc Dieu a bénéficié de ce moment-là afin de pénétrer mon cœur et de me convaincre de partir à CUC, qui est maintenant Vernon University, pour aller étudier la théologie. Depuis mon appel pastoral, j'ai servi pendant 4 années en tant que pasteur. J'ai fait mon stage pastoral, j'ai été pasteur de 2 églises. Et à partir de demain, je commencerai à travailler avec les jeunes au niveau de la fédération. Si je vous ai raconté cette histoire, c'est pour vous dire que lorsqu'on ose faire confiance, Dieu dépasse les blocs que nous avons. Lorsqu'on ose faire confiance à Dieu, il va au-delà de nos attentes, au-delà de notre espérance. Lorsqu'on ose faire confiance à Jésus, lorsqu'on le prend au mot, on n'est jamais déçu. Dans plusieurs des cantiques que David a écrits, et on en a lu certains aujourd'hui, il énonce sa confiance inébranlable pour le Seigneur. Et voici ce qu'il dit. « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. » Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Même dans les difficultés les plus grandes, Seigneur, je te fais confiance. Allez-vous oser faire confiance au Seigneur? Un autre psaume que j'aime, que j'affectionne beaucoup, c'est le psaume 37 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel. » Mets en lui ta confiance. Et il fera quoi? Il agira. Lorsqu'on ose faire confiance au Seigneur, on n'est jamais déçu. Le Seigneur nous étonne et il va au-delà de nos attentes. Non seulement Pierre a pris du poisson en plein jour, mais sa pêche était tellement miraculeuse qu'il a dû crier « À l'aide! À l'aide! » Les amis. Et ses compagnons sont venus. Les embarcations ont commencé à s'enfoncer sous le poids de cette pêche miraculeuse. Lorsqu'on fait confiance au Seigneur, il répond à nos attentes, pas comme ça, mais en abondance. Pierre pensait que les projets que Dieu avait pour lui, c'était d'être pêcheur. Mais Jésus lui demanda de le suivre, car il avait le plus grand projet pour sa vie. Jésus lui dit, ne crains point. Luc chapitre 5, verset 10. Désormais, tu seras pêcheur d'homme. Pierre abandonna sa business pour suivre Jésus. Et Jésus changera sa vie. Lorsqu'on fait confiance à Jésus, on n'est jamais déçu. Lorsqu'on fait confiance à Jésus, Jésus se révèle à nous et nous ouvre les yeux sur les priorités de la vie. Lorsqu'on fait confiance à Jésus, Jésus répond à nos besoins et donne un sens à notre vie. Parce que Pierre a osé faire confiance à Jésus. Dieu l'a utilisé pour prêcher son évangile.
parce que Pierre a osé faire confiance à Jésus. Dieu l'a rempli de son Saint-Esprit. Parce que Pierre a osé faire confiance à Jésus. Dieu a transformé son existence et a fondé son Église. Alors, vous vous souvenez de la question que je vous ai demandé de poser à votre voisin et de vous poser vous-même. Allez-vous oser faire confiance à Dieu? Et c'est la question qu'il faut se poser ce matin. Est-ce que vous allez faire confiance à Dieu pour votre vie? Est-ce que vous allez faire confiance à Dieu pour les choix importants que vous êtes en train de faire en ce moment? Est-ce que vous allez faire confiance à Dieu pour vos choix professionnels, pour vos choix d'études? Est-ce que vous allez faire confiance à Dieu pour les nominations et les élections de l'Église? Allez-vous faire confiance à Dieu ou allez-vous prendre les choses en main? Nous aimons souvent prendre les choses en main. Et nous sommes assez souvent de nature contrôlante. Mais là, Jésus a montré à Pierre qu'il avait tout prévu pour lui. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Chers jeunes, et la jeunesse, ça va jusqu'à 99 ans. Je t'invite aujourd'hui, ce matin, à faire confiance à ton Seigneur, afin qu'il te donne un avenir plein d'espérance. Et que ta vie se retrouve transformée.